quelques minutes plus tôt par Vladimir Poutine. Il était 4 heures cette nuit à Paris lorsque Vladimir Poutine a pris la parole à la télé russe pour annoncer une opération militaire spéciale en Ukraine. Ceci est un message du ministère de la Défense. Une attaque nucléaire est en cours. Veuillez suivre les indications suivantes. Fermez vos portes et fenêtres. Arrêtez la ventilation, la VMC et le chauffage. T'as pas bientôt fini avec mes lunettes, là? Je vois rien, là. Par les secours en milieu scolaire. Ne téléphonez qu'en cas d'urgence, afin de ne pas encombrer les lignes de télécommunication. Éloignez-vous des fenêtres et isolez-vous dans des lieux clos. Des pastilles d'iode seront mises à disposition dans les prochaines heures. Paris, Marseille, Bordeaux, Strasbourg, Montpellier seront impactés dans 152 secondes. Léo, t'as vu aux informations? Ouais, je suis en train de voir là. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Et Pascal? Mais il y croit pas, ton père, tu le connais, il est comme ça. Bon, on y va. Ok. Ok, faut faire quelque chose. Si c'est vrai, faut faire quelque chose. Vous allez pas quand même croire ça? Pascal, tu comprends ce qui se passe? Pascal. Et isolez-vous dans des lieux clos. Des pastilles d'iode sont mises à disposition dans les prochaines heures. Paris, Marseille, Bordeaux, Strasbourg. Pascal, dis quelque chose. La cave. C'est le seul endroit où on pourra se protéger. Oh, on s'affole pas là. Calmons-nous. C'est bon. Pascal! Mais Pascal, mais écoute-moi pour une fois, s'il te plaît! Il faut qu'on y aille! Bon, écoute, je vais aller voir dehors, c'est sûrement un exercice. Je vais voir ça. Arrêtez la ventilation, la VMC et le chauffage. Pascal, reviens ici, c'est maintenant qu'il faut aller à la cave! Ne téléphonez que. Je vais prendre des lampes, des trucs, n'importe quoi! Suzanne, où est-ce que t'as mis tes médocs? Bon, faut qu'on y aille là. Ouais, j'arrive. Oui, c'est bon. Allez! Y'a personne là. Faut qu'on y aille. Allez, tous à la cave. Allez tous à la cave. Et elle est où ma mère? Quelle chance. Vite, maman!